Bonjour à tous, c'est Shadow Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sly de l'Association des voleurs. Et aujourd'hui du coup on se retrouve dans le chapitre qu'on vient juste de commencer et du coup notre première mission se trouve être de l'autre côté de la rue. On va faire attention aux tanks parce que actuellement je ne sais pas ce que si ça nous tue en un coup ou pas, mais bon. On va faire attention. Okay. C'est un joli nom. Oh, et évite les tanks. Ça me ferait de la peine de te ramasser à la petite cuillère. Ok, ça tue en un coup alors. Il y en a un là-haut. Pas vraiment, là. Comment on va là-haut, alors? Bah, je n'en sais rien. Voilà, bref. Pas là où je devais aller pour prendre des photos. Nila a transformé cette ancienne banque en QG. C'est une zone très bien protégée. Ça va être dur de l'en faire sortir. Là-haut, il y a un bateau, il y a un dirigeable du coup. On peut pas la prendre en photo? Non? Voilà. Peut-être, qui sait. Le dirigeable est là-bas, et là-bas il y a un autre truc. Mais comment je fais pour y aller? Le dirigeable, je peux vraiment pas le prendre en photo là, parce qu'il m'a l'air quand même assez proche là. Voilà. Voilà. Ah bah voilà. Le dirigeable avec lequel la comtesse a fui de la prison. Il pourrait peut-être nous servir à survoler ces tours gigantesques. Ok, le dernier truc est là-bas. Mais sérieusement, il y a trois mobs, il y en a un autre là. Allez, on court, 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 court. Voilà, de toute façon, ici, ils pourront pas venir. Bon, il est où le machin, du coup, Arsenal de la comtesse? Je ne vois pas de lueur bleue. Ah là, derrière. Ah bah il est là. Thank you.
La comtesse est drôlement bien équipée pour une guerre. C'est bien notre veine. Ok, Sly. Rends-toi dans la tour de rééducation. Je pense que c'est là que se trouvent les yeux de Clockwork. Et c'est où, cette tour? Voilà, pep. Voilà. Il y a encore des bouteilles. Là-bas, j'en vois une. Hop. Hop là. On s'éloigne actuellement de notre but. Il est où la tour de rééducation là? J'étais en train de regarder où elle était là, monsieur là, qui me dérange. Ok, elle est là. Ok, Sly. Rends-toi dans la tour de rééducation. Oui. Je pense que c'est là que se trouvent les yeux de Clockwork. Mais bref, comment on fait pour monter là-haut, moi? En plus, j'entends des bouteilles partout, donc j'ai envie de visiter aussi, mais... Là, actuellement, je suis un peu en blind, donc je connais vraiment pas. Ok, c'est tout là-haut. Ici, là... D'accord, ça pète. Parce que c'est là-haut, hein, du coup. Ouais. Il faut que je monte encore, du coup. Voilà. Ok. Bon. Non mais toi tu te réveilles, dégage. Bon, ça c'est fait. Alors, ici alors. Comme ça? Il y a quelque chose en haut, j'en suis sûr. Non? C'est bizarre, j'aurais pensé qu'il y aurait quelque chose en haut. Et elle est pas en hauteur, mais elle est juste là. Non, qu'est-ce que tu fais, Sly? Bon, bah, j'ai plus qu'à remonter, alors parce que j'ai fait le malin et que j'ai essayé d'avoir cette bouteille. Mais apparemment, ici, ça glisse. Et il faut pas faire le malin parce que on tombe. Voilà. Non! Et non, Sly! Là, c'est lui qui est tombé tout seul, hein. Il était sur le pont. Ah! Non, mais non, ça suffit, toi. Va-t'en. De toute façon, hop, tu m'as perdu de vue. Voilà, hop, c'est bon, tu m'as perdu de vue.
Voilà. Bentley, il n'y a pas que les yeux de Clockwork ici. Pourquoi faites-vous ça? Nella, c'est un complot. Je suis un flic honnête. Mais je le sais bien. J'ai lu votre profil psychologique, qui le confirme. Alors pourquoi faites-vous ça? Car justement, vous êtes honnête. En fait, en poursuivant Sly Cooper, vous en avez appris trop sur le gang de Clao et son trafic d'épices. Il ne vous aurait pas fallu longtemps pour vous apercevoir de mon rôle dans cette affaire. C'est pourquoi je vous ai mis sous les verrous dès que j'en ai eu l'occasion. Vermine, vous êtes une honte pour Interpol. Je jure sur ma vie que je me vengerai. Oh, malheureusement, j'ai bien peur que votre vie ne dure plus guère longtemps, très cher. Quand j'aurai placé les yeux de Clockwork dans cet appareil, votre vie sera alors entre mes mains. Vous ne réussirez pas à me laver le cerveau. Mais si, vous verrez. Et vous le sentirez. Je vais vous reprogrammer pour que vous portiez le chapeau à ma place auprès d'Interpol. Bon, allongez-vous, détendez-vous, pensez à un endroit agréable et restez-y pour toujours. Et je ne pense pas qu'il t'ait vu. Prends des photos et déguerpis. Non, je dois aider Carmelita, elle est en danger. Tu n'y peux rien pour l'instant. Prends ces photos de reconnaissance et reviens au refuge. Et je te promets qu'on la sortira de là. Intéressant, l'inspecteur Fox est enchaîné à une vieille versatile de 50. Cruel, mais efficace. Les yeux de Clockwork. Ah, ça y est. On dirait qu'ils sont contrôlés par ce tableau de commande. Prends la console en photo pour que je vois comment elle est faite. Voici les gardes de l'ombre, l'élite des rangs de la comtesse. Brute épaisse, c'est ce qui définit le mieux ces types. D'accord. C'est un cérébrouilleur. Je n'en crois pas mes yeux. Ces trucs-là sont un mélange de science et de magie noire. Indestructibles par des armes classiques. Et le vieil ordinateur, il est où? C'est ça que tu parles? Non. Ah mais c'est ça, d'accord. Mince, je me disais, mince. Ce vieux terminal doit être relié au système de cette tour. Il faut trouver le moyen de le connecter. Ok, reviens vite au refuge pour qu'on mette au point une stratégie. Ça promet ici, il y a l'air d'avoir quand même plein de choses à faire. Avec la guerre entre la comtesse et Nella, le château est en état d'alerte. Pour mettre la main sur les yeux de Clockwork, nous allons subtilement tourner ce conflit à notre avantage. Voilà le plan. Murray, tu vas au château et tu kidnappes le chef de la sécurité. Je dois lui poser quelques questions. Entre-temps, Sly et moi allons nous plonger dans le paranormal. Je vais descendre dans les cryptes sous le château et construire une superbe bombe occulto. Elle sera assez puissante pour détruire le cérébrouilleur. Sly, tu captures quelques fantômes et tu les fais rentrer dans le QG de Nella. Si elle a aussi peur que je le pense, cette expérience l'encouragera à engager d'autres mercenaires. Allez, au travail et bonne chance! Ça fait beaucoup de trucs actuellement. Bon, bah voyons voir tout ce qu'on a à faire alors. Alors, voyons voir. Alors, Sly, Bentley, Murray. Et ça a l'air d'être tout.
Ok, bon, déjà, il faut que j'essaye de récupérer cette bouteille. Ok, apparemment, c'est avec le truc qu'on peut glisser là. Donc, il faut que on glisse. Ah non, c'est plus loin, d'accord, je vois. Mais comment tu fais pour avoir cette bouteille alors? Bon, déjà, hop, on récupère celle-ci. Je vais essayer vraiment tout ce que je peux, mais je pense pas que j'arriverai à l'avoir. C'est vrai. Quel enfoiré, sérieusement. Non mais je ne sais pas comment faire pour l'avoir celui-là. Mais je vais galérer à l'avoir. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais cela? Je t'ai demandé d'aller sur le drapeau là-haut. Mais il va sur celui-là alors que je demande d'aller sur ici là. Voilà. C'est trop loin. Peut-être que je pourrais la détruire avec Bentley ou Murray. Où tu vas? D'accord, il est parti là-bas alors que je lui ai demandé d'aller sur le fil. Cela, il fait vraiment n'importe quoi des fois. Hein. Je lui demande d'aller à des endroits, mais il va pas forcément. Allez, une médaille en or. On va récupérer aussi la bouteille qui était là, je l'ai vue. Voilà. On va faire cette mission. Ok, Sly. Voici ton nouvel objectif. Rentre en douce et ouvre le cercueil de la Louvresse maléfique. C'est pas gentil. Elle a fait quoi au juste pour mériter ça, la vieille? La Terre à la Lune, c'était une princesse maléfique. Brise son cercueil pour libérer les fantômes qui ont été enfermés là avec elle. Ok, je ne vois pas vraiment l'intérêt, mais j'aime bien l'idée de libérer des fantômes prisonniers. Ok, du coup là on est dans le mode paranormal, c'est ça? Par rapport à Miss Ruby, tout ça, de Sly 1. Voilà. Je pense qu'on est un peu dans le mode où Miss Ruby volait, faisait des arrêts de mort, là, tout ça, tout ça. Oh, d'accord. Est-ce que on peut passer maintenant? Maintenant? Bah, ils sont tous morts. Bien joué. Maintenant sors et je t'expliquerai la suite du plan. Non mais les pièces, ils sont disparus. Ils sont sérieux là. D'accord.
sert de ton binocom pour capturer les fantômes? Mais je viens juste de les libérer. Pourquoi veux-tu que je les recapture? Ne t'en fais pas. Nous ne les retiendrons que très peu de temps. Rassemble tous les fantômes, puis libère-les dans la cheminée du QG de Nella. J'ai pigé. Elle va croire que c'est une attaque de la comtesse. Exact. Si mes calculs sont exacts, ce qui est toujours le cas, Nella devrait renforcer les effectifs de son armée suite à cet incident. Et tout ce qui est mauvais pour la comtesse est bon pour nous. En plus, Nella va se faire dessus. Ça veut dire que je dois aller prendre en photo ? Ah oui, d'accord, je dois vraiment aller prendre en photo du coup. Il y en a plein du coup de fantômes à capturer. Bon bah du coup je pense qu'on va faire le tour là. Il y a une bouteille aussi. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'autres fantômes? Non, c'est un peu plus loin du coup après. On va récupérer cette bouteille, je pense. Hop, comme ça, ça sera fait. Allez! Hop là! Donc, hop. Ici. Ici. Là. Et là. Ici, j'en vois un. Allez, je te vois. Non, objet caché. T'es sérieux là? Ah, il y a une autre bouteille ici. Voilà, je l'ai eu. Hop là. Et en même temps, on récupère des bouteilles, donc c'est plutôt bien. Si j'en vois une autre. Hop là. Donc... Alors, ici, il y a un fantôme là. Toi, tu meurs. Et toi, le fantôme, tu es où? Tu t'es là, hein, normalement. Ah, t'es là. Je t'ai vu un instant, mais c'est dommage. Tu es parti. Mais sérieux, ce fantôme là, je suis obligé d'aller le chercher là-bas. Allez, je sais que t'es là. Mais c'est pas possible, hein. Voilà. Il est caché derrière, là.
Je l'ai vu là-haut, mais... Bah t'étais là, d'accord. Voilà. On va en profiter, là il y a une bouteille aussi. Voilà. 5, donc 6, 7, 8 et 9. Ok. Bon, on y va. Ok, il est là, je l'ai vu. Tu vas repasser par là, hein. Non. Il est chiant celui-là. Voilà. Hop là. Donc toi là, monsieur là. Ok, tu fais des allers-retours dans... là-bas. Eh bien, on va aller te chercher, si c'est ça. D'accord, on peut pas monter là. Ok, il est là. Bon, il est où ce monsieur là? Voilà. Hop. Encore deux. Du coup, ils sont là-bas et là-bas. C'est génial. Bon. Non, 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 tu me laisses tranquille, toi. Ils sont où là? Là. Puis le deuxième, il est où? Ça y est, je l'ai perdu de vue le deuxième. Là, il y en a un. Ici, là-haut. Du coup. Et toi, t'es sérieux là? Casse-toi là! En plus, j'ai perdu de vue le deuxième fantôme là. Sérieusement, m'embête. Ah, il est là-haut. Ok, c'est trop près là. Ouais, bon, il va falloir que je monte, je pense. Non, je l'ai eu. Ok. Bon, il en reste plus qu'un qui est là-haut, du coup. Sérieusement.
Non, mais non, non, mais non, mais non, mais non. Monte et monte. Ok. Bon. Il est où le fantôme du coup? Ça y est, je suis perdu. Il est là-haut. Non, mais c'est pas possible. Il y a tellement d'ennemis, je peux. Voilà, enfin. Ok Sly, tu as tous les fantômes. Maintenant, file vers le QG de Nella et libère-les dans ta cheminée. Ok, c'est génial. On n'a plus qu'à redescendre. YOLO. D'accord, c'est là-bas. Il faut repasser le pont. Dégage. Que je monte là-haut? Ah non, là. D'accord. Alors, la comtesse veut la guerre, hein? Il est peut-être temps que je renforce mon armée. Quelques bombardiers, ça devrait remettre cette vieille bique à sa place. On a le sang chaud à ce que je vois. C'est chaud d'avoir cette bouteille, sérieusement. Là, ici. Ici, là. Et là. Bon, on peut rentrer, je pense. Ok, non, on va pas rentrer maintenant. J'ai vu qu'il y avait une bouteille juste là. Et voilà. Hop, hop, hop. C'est où déjà mon truc? C'est là-bas. Mais là, cette bouteille, je sais pas comment il faut faire pour l'avoir, mais bon. Il faudra trouver que je trouve quelque chose, hein, parce que je sais pas comment l'avoir. Je parle de cette bouteille qui est juste là. Si vous, vous savez comment le faire, moi je ne sais pas, donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi je ne sais pas comment faire. Donc dans le prochain épisode, du coup, on fera le piège joué à Euclide et kidnappe le général, du coup, je pense. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Parce que du coup, moi, je suis un peu perdu là. C'est un peu du blind pour moi, mais... éviter quand même trop de spoiler, ça serait bien pour moi. Du coup, je vous remercie de regarder cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle. Salut et bye bye.